Il était une fois une jeune fleuriste qui vivait d'amour, d'eau fraîche et de tournesol. Elle cultivait autant les fleurs que l'amour. Elle faisait partie de ces drôles de personnes qui semaient la joie autour d'elle. Elle faisait partie de ceux qui aimaient rassembler et unir. Elle brillait d'une aura aussi pure et chaleureuse que le soleil. Mais voilà, il lui manquait quelque chose à Notre-Dame au tournesol. Elle rêvait de vivre une autre grande aventure. On dit que toutes les bonnes choses ont une fin, mais pas pour notre jeune fleuriste qui avait en elle une faim insatiable. Elle rêvait grand, tellement grand qu'une idée folle a vu le jour. Elle voulait cultiver d'autres types de fleurs. Car il existe en ce monde des fleurs beaucoup plus coriaces, des fleurs qui ont manqué d'eau, d'amour, de soleil, et qui n'avaient aucune idée du trésor qui se cachait en chacune d'elles. C'est ainsi que notre dame au tournesol s'est donnée pour mission de révéler la beauté de ces fleurs. Elle en cueillit 10. Bien décidée à révéler le trésor de chacune de ces fleurs coriaces, elle aménagea une pépinière. Pendant près de 3 mois, elle les entoura d'amour, d'eau et les réchauffa avec son tendre soleil, une lumière aussi vive qu'un pétale de tournesol. Après 3 mois d'investissement personnel sans pareil, vit le jour 10 magnifiques et sublimes fleurs. Car oui, notre dame au tournesol n'avait pas lésiné sur les moyens pour offrir à ses jeunes prodiges le meilleur d'elle-même. Chacune d'entre elles avait maintenant le pouvoir d'un million de fleurs. Ainsi naquit, à l'intérieur de cette jolie pépinière, 10 magnifiques fleurs. Toutes brillaient de 1000 feux. Elles étalaient leurs charmantes pétales et arboraient avec grâce leurs puissantes tiges. Elles étaient fortes et audacieuses. Elles venaient de révéler leur soleil intérieur. Elles avaient fait preuve d'un courage sans nom, et tout cela grâce à notre chère dame au tournesol. Elles étaient fin prêtes à conquérir le monde. Mais avant de partir, elles souhaitaient offrir un présent symbolique, preuve de leur infinie gratitude à celles qui avaient cru en elles. Elles avaient cru en leur potentiel, en leur capacité, et avaient finalement semé dans leur cœur un de ces tournesols. Alors pour te remercier Léa, voici voici tes 10 fleurs qui souhaitent te dire quelque chose. Coucou! Alors, petit message pour te remercier, pour te témoigner toute ma gratitude, tout mon amour. Quoi dire d'autre? J'ai même plus de mots pour décrire ce que je ressens. Depuis le début de l'année, tu me suis, tu m'as fait beaucoup grandir, fait beaucoup réaliser de choses que... j'avais du mal à voir, tu as mis le point sur beaucoup de blocages, de croyances, de... enfin bref. J'ai tellement évolué depuis janvier. Alors certes, 2020, ça n'a pas été la meilleure des années au niveau professionnel, mais j'ai tellement appris. C'est pas fini en plus. Et cette formation, ce groupe, c'est juste une petite pépite, quoi. Comme disait Arena, on est les gaillards de l'espace. Et merci à toi de nous avoir donné cette opportunité. Merci d'être qui tu es. Merci d'avoir changé de carrière et de t'être laissé guider par cette passion, par ce feu que tu animes et que tu transmets, je pense, d'une manière si naturelle. Tu incarnes tout à fait ce que tu prônes. Et voilà. Mais voilà. Donc, moi, j'ai plein de gratitude, plein d'amour pour toi et pour toutes les filles qu'il y a dans le groupe. Je suis ravie d'être un de tes cobayes, franchement, sans problème, hein, anytime.
Et puis je te souhaite que des bonnes choses pour la suite. Voilà, merci Léa. Merci, merci, merci. Bye! Coucou Léa, ben voilà, la formation touche à sa fin. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois par mail. Maintenant, je te le dis de visu, que tu gardes une trace de mon visage. Mille merci pour tout. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Léa, joyeux anniversaire. Coucou Léa, un petit message pour te dire un grand merci. Merci pour ce coaching de dingue que tu nous as apporté, pour toutes ces connaissances qu'on a en plus, pour avoir mis le doigt sur des points qu'on n'avait pas envie d'aborder, mais qui aident à avancer, pour avoir créé un groupe et une dynamique de fou. J'ai pu rencontrer des super nanas. Donc merci beaucoup, ça m'a beaucoup apporté. Continue comme ça, je te souhaite plein de bonheur avec Steph et Jade. Gros bisous. Mais j'avais envie de passer ce petit moment-là à te dire un petit peu pourquoi j'avais eu envie de faire tout ce chemin-là avec toi. Ça fait quelques mois maintenant que tu es rentrée dans ma vie, parce que c'est ça la vraie chose. Et du coup, voilà, déjà, c'est avec ces visios, avec tes challenges, et du coup, tu as boosté un moment de ma vie où c'était un petit peu compliqué. Et t'as été la belle personne qui m'a donné envie de continuer, de croire en moi, de croire en mon projet, d'oser. Et pour ça, je voulais te dire un grand merci, vraiment, du fond du cœur. J'y crois, j'ose y croire grâce à toi aujourd'hui, au travail qu'on fait ensemble, à tout ce que tu me renvoies, à ce que tout ce qui fait avancer pour moi. Il y a encore du taf, je le sais. Cette notion de temps, tu vois, est encore un vrai frein pour moi, même si on l'a déjà bossé ensemble, mais je sais que les cartes sont dans mes mains, et ça, c'est grâce à toi, parce que jusqu'ici, j'étais un peu fataliste à me dire « Oh, pauvre de moi !» Non, je peux bouger mon cul, c'est moi qui décide, et ça, c'est toi qui l'as fait rentrer dans ma tête, et je crois que je te remercierai jamais assez pour ça. Je voulais te remercier pour tout ce que tu donnes, tout ce que tu transmets, pour ce que tu es. Et voilà, je voulais faire ces petites minutes avec toi, juste pour te remercier encore, 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 pour ce groupe de courageuses aussi que tu as créé. Ta cliente idéale est géniale. Je me fais pas des fleurs. Je parle plutôt pour les filles, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré toute une équipe. Vraiment d'avoir rencontré des amis, d'avoir découvert d'autres professionnels qui sont géniales également. Et du coup, voilà, de vivre mon expérience, mon aventure entrepreneuriale vraiment différemment. Et ça, c'est grâce à toi. Continue avec ce que tu es, continue à oser, continue à appliquer ce que tu nous apprends. Et j'espère, malgré la fin de cette partie de formation, que le chemin ne s'arrêtera pas là, mais je le sais. Les liens sont déjà créés et je vois la belle aventure qui continue. Donc voilà, c'est du fond du cœur que je te dis une énième fois merci, et que j'ai hâte qu'on arrive au bout du processus pour pouvoir voir chacune comment on va pouvoir voler nos propres ailes et pouvoir continuer le chemin ensemble. Même si, ça y est, les petits oisillons auront peut-être quitté le nid. Coucou Léa, petite vidéo pour te dire merci pour tout, pour ton authenticité, pour la formation, pour m'avoir repoussée dans,
mes retranchements et surtout pour ton enseignement, parce que ça a été vraiment au-delà de ta formation, était ultra complète, c'était génial. Et merci pour ce groupe formidable que je partage avec les filles. Voilà. Merci beaucoup pour tout. Je sais pas te dire quoi d'autre que merci, parce que j'ai beaucoup progressé grâce à toi. Et puis voilà, j'espère que je continuerai sur la lancée. Bisous. Coucou Léa, alors ce petit mot pour te dire merci, merci pour ce coaching pendant 3 mois qui m'a vraiment permis de passer à l'action, qui a bougé mon business et grâce à toi j'ai pu rencontrer aussi la team courageuse qui ont suivi la formation avec moi. Donc merci beaucoup et puis bonne continuation à toi. Bisous. Coucou Léa, tu sais que c'est difficile pour moi de faire des vidéos, mais pour toi, je fais l'exception pour te dire et te remercier de tout ce que tu as fait pour nous durant ces 3 mois, de nous avoir accompagnés, de nous avoir aidés, de nous avoir motivés en fait, et de nous avoir montré qu'on n'était pas toutes seules. Je te remercie énormément de ta présence, je n'ai pas de mots pour dire plus. Parce que franchement, ce que tu as fait pour nous, je ne sais pas si je pourrais le trouver ailleurs. On a échangé avec les autres filles du groupe, on a lié des amitiés. C'était vraiment exceptionnel. Je tiens à te remercier pour tout ça. Et continue à être cette personne merveilleuse que tu es, de toujours vouloir partager ce que tu as. Et franchement, bravo, bravo pour ce que tu as réussi jusqu'à ce jour et de nous avoir épaulés et nous permettre à notre tour de pouvoir aider les autres. Alors, je te fais un gros bisou de la Guyane. J'espère qu'un jour tu pourras venir ici. Je sais que c'est très loin, où je pourrais te faire visiter en vidéo également. Et je te dis à très bientôt. Bisous. Salut Léa, voici un petit message pour te remercier, de ces 3 mois de coaching, pour te remercier du coaching aussi individuel que tu as fourni auprès de moi et puis auprès du groupe. Te remercier énormément pour le contenu de qualité, l'investissement que tu as mis dedans, c'était dingue. Pour te remercier de à chaque fin de coaching de groupe et de visio, de nous faire ressortir avec la patate. Puis merci surtout pour avoir fait vivre un petit groupe de coaching qui est super et qui m'a permis de rencontrer des femmes super intéressantes et c'était frais, c'était rigolo, on s'est bien marré et voilà, j'espère que ça va continuer d'évoluer et voilà, merci pour tout et puis ça va continuer, on va continuer de faire évoluer tout ça parce qu'on a la patate et que tu nous as redonné une sacrée patate pour ce coaching de groupe. Salut! Et voilà, ainsi s'achève donc cette magnifique histoire, enfin, qui s'achève. À mon avis, elle ne fait que commencer. Et en tout cas, pour toi et pour nous, l'aventure continue. Nous, tes courageuses, tes 10 premières cobayes. J'ai presque envie de pleurer parce que j'aime pas trop les fins d'histoire, mais
Merci Léa. Je crois qu'il n'y a pas de mots plus forts en fait pour te remercier. Parce que vraiment ça a été... J'ai l'impression que c'est au moment où j'avais plus besoin en fait que bah pouf l'univers s'est orchestré pour que tout ça arrive et je suis vraiment contente parce que cette année il y a beaucoup de belles choses qui sont arrivées. Après, oui, c'est en partie parce que je me suis bougée mais parce qu'il y a eu bien quelqu'un derrière qui avait cru en moi et c'était le truc en fait qui était le plus important d'avoir ce soutien et en plus... d'avoir créé ce groupe, ça a été un soutien x10, voire plus. Et rien que pour ça, en fait, tu as toute ma reconnaissance et ma gratitude. Et enfin, voilà. Je sais pas comment le formuler, mais en gros, j'espère vraiment que tout ce que tu fais, eh bien, paiera un jour. Et que s'il faut rêver grand, que tu sois un peu comme Tony Robbins, j'ai envie de dire, parce que tu en as l'étoffe, en tout cas. Et non seulement tu es une super coach, mais pour le peu que je sache, tu es une très belle personne et merci de voilà d'être ce que tu es. Et en tout cas moi ça m'a touchée, ça m'a plu. Donc voilà, merci beaucoup pour ces 3 mois et que l'aventure continue.